La méthode Cobra est une technique malheureusement trop peu connue qui peut t'aider énormément sur ta voiture. Je te montre dans cette courte vidéo comment elle fonctionne exactement et ce à quoi tu dois absolument faire attention. Pour ce faire, tu dois d'abord remplir un seau avec un peu d'eau et y ajouter une petite quantité de liquide vaisselle. Une fois que tu as fait cela, tu as besoin d'un chiffon en microfibre. Tu dois le plier en deux, le tenir par le bas de ta main, l'enrouler autour de ta main et tenir la deuxième extrémité par le bas de ta main. C'est pourquoi on l'appelle la méthode du cobra, car en y regardant de plus près, l'ensemble ressemble un peu à un cobra ou fait penser à un cobra. Voici comment fonctionne cette astuce géniale. Si tu veux nettoyer ton pare-brise de voiture, c'est relativement simple de l'extérieur. Il suffit de passer un coup de chiffon dessus, de tout essuyer et le tour est joué. Mais de l'intérieur, c'est généralement un peu plus difficile. La plupart des gens tiennent le chiffon dans leurs mains, plient leurs poignets vers le bas et commencent à essuyer la vitre. Non seulement c'est très inconfortable pour la main, mais il est également difficile d'exercer une pression suffisante et tu dois généralement la tordre fortement dans la voiture pour nettoyer toute la vitre. Mais avec cette astuce, c'est beaucoup plus facile. Pour cela, mouille un peu le chiffon, enroule-le autour de ta main pour qu'il ressemble à nouveau au cobra mentionné plus haut. Il te suffit maintenant de presser le dos de ta main contre la fenêtre pour nettoyer parfaitement la vitre sans devoir déformer ou étirer ta main. Il suffit maintenant de faire glisser la main vers le haut et vers le bas, puis de nouveau de droite à gauche. Fais-le plusieurs fois et tu pourras ainsi nettoyer la vitre très facilement. Ensuite, refais la même chose avec un chiffon sec pour le sécher et la vitre brillera à nouveau sans grand effort. Mais connais-tu aussi l'astuce géniale de la brosse de toilette sur la voiture ? Tu découvriras comment elle fonctionne dans la vidéo en cliquant sur l'image que tu vois ici.